Et bonjour à tous, c'est Goz et aujourd'hui bienvenue pour un tout nouveau let's play sur Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre sur PC. On y joue sur PC mais il est aussi disponible sur Xbox 360 et je sais plus quelle console, bref ce n'est pas grave. Donc Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, un jeu qui est sorti récemment je crois en juin. Donc en juin c'est assez récent, je tourne cette vidéo en juillet. Quoi dire d'autre, il a été produit par Ubisoft Montpellier, ce que j'ai vu dans le début de l'intro. Ubisoft Montpellier, donc un jeu qui promet d'être riche en émotions. Donc c'est tout de suite parti. Une nouvelle partie. Oh, oh le jeu de mots, il est drôle. Bref, let's go. On commence une nouvelle partie, vous allez perdre votre progression. Voulez-vous continuer? Voulez-vous... Oh, quelle question cruciale. Continuez. Ce jeu sauvegarde assez là. Ouais, ça on connaît. Et c'est parti. Août 1914. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique déclare la guerre à la Russie. Par le jeu des alliances, la France se prépare à entrer en conflit. Quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale, les Allemands vivant en France sont priés de quitter le pays. Karl est l'un d'entre eux. Saint-Mihiel, France, 1er août 1914. Quelques jours plus tard. Quelques jours après que Karl ait été reconduit à la frontière, la guerre vint réclamer un nouveau tribut et enleva son père à Marie. Le cœur serré, Émile quitta la ferme pour se rendre à la caserne de Saint-Mihiel. Comme des millions d'autres, il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Caserne de Saint-Mihiel, 13 août 1914. Et là, on peut commencer à jouer. Donc comme vous voyez, ça raconte un peu... Oh, je vais pas vous tous le spoiler, on va découvrir au fur et à mesure. Donc, elle avance, oui, je joue à mettre Xbox 360, ce que je préfère. On avance. Et t'en fous là, une fenêtre, ma ! Je t'en fiche où, moi ? Oh, tu te calmes direct, hein. Il est pas très content, hein, je pense. Il bug un petit peu. Y. Donc là, ce que vous voyez, ce qui est très bien aussi, c'est que vous avez en même temps que vous jouez les faits qui sont réellement passés historiquement. Vous voyez, les guerres, les débâcles, voilà. Vous avez les faits de la Première Guerre mondiale qui sont réellement passés. Donc, je trouve ça vraiment super bien. C'est en partenariat, comme vous voyez, avec Apocalypse, la Première Guerre mondiale, pour ceux qui ont vu ce reportage. Ces reportages qui sont vraiment super bien. Bref, on continue. Parce que nous, on est venu pour jouer quand même. Oh, ils sont tous en caleçon. Hop, on est sorti en affaires militaires maintenant.
en affaires militaires, en tenue militaire, devrais-je dire. Alors, faut qu'on aille sonner la trompette, je vais appeler ça. Le bignou. Ah. Ah là, j'ai sonné le bignou, la trompette. Je sais pas c'est quoi le nom exact. Trompette ou du bignou? Bravo, madame. Merci, comment... Donc là, c'est une sorte de petit tutoriel où on apprend... On apprend les commandes du jeu. Ok. Donc là, on doit essayer de lancer des grenades. Ouh, du premier coup. Bref. Voilà, on apprend les bases de la guerre. Les bases du jeu, les bases de la guerre. Les bases, quoi. Irak. La caserne et son régiment. Les gars. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. La caserne et son régiment. Qui correspond à la monnaie. Ah, on doit hisser les couleurs maintenant. Ma chère Marie, nous voici en route vers la capitale. Il règne un enthousiasme communicatif et une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Je t'écrirai à nouveau dès que je connaîtrai mon affectation, afin que nous puissions correspondre. Embrasse mon petit-fils pour moi. Il me semble que si je me suis bien renseigné un peu sur ce jeu, les lettres là... Cherchant à rejoindre son régiment sur le Q21, Émile allait rencontrer celui qui deviendrait son frère d'armes, son compagnon de route, son ami. Donc oui, je disais, apparemment ces lettres là, la lettre qu'on a entendue avant, en fait, toutes ces lettres dans le jeu, ce sont de vraies lettres qui ont été écrites, donc rien inventé, c'est totalement vrai. Hein. Enfin, tout est à peu près vrai ici, à part l'histoire qui est un peu inventée, mais dans l'ensemble, les lettres sont vraies, il me semble. À part si je me suis trompé, bien sûr. Dites-moi ça dans les commentaires si ce sont des vraies lettres ou pas. Alcoolique. Ah, lui veut du pinard, apparemment. Donc on va piquer cette bouteille comme ça discrètement. Tu vois, il y en a le deuxième. Oh. Mmh. Dis-moi, elle va pas tirer. Il voulait du blanc, pas du rouge, le mec. Il est difficile, il part en guerre, temps de crise et tout, mais il continue à être difficile. Nouvelle entrée au journal. Alors, journaux. Le 12 août 1914, aujourd'hui, j'ai commencé l'entraînement à la caserne. Je pense beaucoup à Karl qui doit faire de même en Allemagne. Quelle histoire cette déclaration de guerre. J'espère que Marie a pu terminer la moisson avec l'aide de nos voisins. 12 août 1914, ça y est, j'ai hâte de pouvoir en découdre. Cela atténuera peut-être un peu ma peine. 1er août 1914, à 4h, cet après-midi, les cloches de Paris se sont mises à sonner d'une étrange manière. Un passant m'a dit que c'était pour la mobilisation des soldats, au cas où l'Allemagne déclare la guerre. Je vais écrire à Père pour savoir s'ils font de même en Belgique. 1er août 1914, c'est vraiment étrange de revenir en Allemagne. Au moins, Émile est là pour veiller sur Victor et Marie. Les choses devraient se calmer dans les jours qui viennent. Tout ça n'a aucun sens.
2 août 1914, après Karl, c'est au tour de papa de partir. Pourquoi l'ont-ils appelé? Ça ne suffisait pas que Karl soit expulsé, il leur fallait aussi mobiliser mon père. À son âge, aura-t-il encore la force de se battre? Me voilà toute seule pour m'occuper des récoltes et prendre soin de Victor. Donc là, c'est pas mal, ça, je trouve, de voir toutes les pensées des personnages. Je trouve ça vraiment bien. Bref, reprenons l'histoire. À toi, vieux frère. On peut pas prendre l'échelle. Il veut de la musique. Attendez. Ouhou, carte postale. Y. Lettre d'un enfant soldat. Mes chers parents, je suis prêt à partir au front. Nous allons reprendre l'Alsace et la Lorraine aux Allemands. Je serai de retour avant Noël. Je vous embrasse, Marcel. Donc là, apparemment, une lettre d'un soldat. Un soldat égaré. Donc lui, il veut de la musique, il a dit. De la musique. Ici, un groupe de musique. Et on peut pas aller plus loin. Ok. Oh, on va leur faire jouer de la musique. Et je pense qu'il faut retrouver l'ordre dans lequel ils jouent de la bonne musique. Ah merde, donc on avait trouvé lui, ensuite lui, puis lui, et lui. Et voilà, ça joue de la musique, on a réussi bien ici. Par contre, le son est peut-être un peu fort. Je vais tout de suite baisser le son. Du jeu, on était à 39. On va le mettre à 35 parce que je trouve que la musique est un peu forte. Appliquer. Voilà, là c'est mieux. On peut maintenant monter sur le toit du train. C'est-à-dire sur le toit du toit. Non, le toit du train. Ah, on a des par terre. Stylo plume. Porte-plume. En 1914, les stylos à billes n'existaient pas encore. À l'école, les enfants apprennent à écrire avec des porte-plumes métalliques. Ou plus souvent, on les accompagne avec des plumes doigts taillées en biseau. L'entrée en guerre et la correspondance massive permis de populariser un peu plus les porte-plumes. Très bien, en même temps d'apprendre des faits historiques. C'est plutôt génial ce jeu. Allez, on va passer dans le charbon maintenant. On va tirer ça pour que ça fasse éloigner les méchants de notre compagnon. Voilà qui est fait. On peut redescendre dans la locomotive. Hey, fut envoyé pour affronter la 71e division dirigée par le baron Von Dorf. À l'enthousiasme des premiers instants succéda l'anxiété des premiers combats. Krun, France, 21 août 1914. C'est là qu'on doit aller se battre apparemment. Merde, il est d'aller se battre. J'ai pas été préparé à ça. Ce n'est pas ma guerre. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Les endroits marrons là qu'on voit, c'est là où les obus vont atterrir. Les obus vont atterrir, je le disais donc. Donc il faut pas marcher dedans quand les obus arrivent. Aïe 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 aïe, je suis mauvais. C'est un écran déroule en fait. On peut pas aller trop à droite ni trop à gauche de l'écran. Hop. Hop, c'est bon. On poursuit.
n'est pas encore mort, il est déjà mort deux fois avant. Tout droit, on continue. Capitaine! Capitaine! Le capitaine est mort! Merde, on se fait tirer dessus. Oh shit! C'est pas ma guerre! C'est pas ma guerre! Oh fuck! Il me prend une balle, un obus sur la gueule. Oh merde. Il y a des obus partout. Je suis tout seul. Oh merde. Il s'est fait tuer. Mademoiselle Marie Chaillon, le soldat Émile Chaillon du 150e régiment d'infanterie est tombé le 21 août 1914 sous le feu de l'ennemi. Blessé, il a été fait prisonnier par l'armée allemande. Nous espérons que vous recevrez bientôt de ses nouvelles. Originaire des Amériques, Freddy s'engagea dès le début de la guerre en tant que volontaire dans les forces françaises. Derrière sa bravoure se cachait un homme que la guerre avait anéanti avant les autres. Un homme qui n'avait plus qu'une seule obsession. Punir ceux qui avaient brisé sa vie. C'est à la Marne que Freddy retrouva enfin la trace du régiment commandé par le baron von Dorf. Donc on est à la Marne, je crois, il n'y avait rien d'écrit en haut à droite, mon doigt est à la Marne. Y, les Américains armée française, la bataille de la Marne, les mitrailleuses, la capture des drapeaux. Allez, mon gars. Il fallait faire péter le pont, apparemment. Ah, on peut couper les barbelés. Notre capacité spéciale, c'est couper de barbelés, grâce à notre cisaille magique. X. Ah, en plus, on a des points d'acier. Journaux. 12 août... Ah, il y en a de nouveau. Cette lettre m'a fait tellement peur. Pauvre papa, il a été blessé et fait prisonnier par les Allemands. Je ne sais pas si c'est grave, s'il est bien soigné là-bas. On m'a dit que les prisonniers peuvent recevoir des lettres. Je lui écrirai dès demain. Ah, il y a deux lettres, mais celle d'avant, on l'a lue. On a encore marché toute la journée pour la première fois, on entend le son des canons. Je n'ai pas hâte de devoir tuer l'un des leurs. Je préfère ne pas y penser. Il faut que je dorme. On continue l'histoire. Alors... On va couper ces barbelés. On va prendre une grenade, ça peut toujours être utile. On a trouvé un écu. Ah d'accord. Je pense qu'il faut qu'on fasse péter la charrette. Éloignez-nous. Effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Alors, on coupe. Ah merde, c'est avec A. On coupe ces petits barbelés. Pas si petit que ça, mais on coupe ces barbelés. Et on poursuit. En évitant de se faire tuer. Le village est en feu derrière. Toutes les maisons ont été brûlées. Oh shit. Oh, il retire. Attendons, on va essayer de faire descendre l'échelle qui est au-dessus. Voilà. En fait, il tire par intermittence. Il recharge.
Et il va tirer. Allez, il recharge. Donc là, on a le temps d'y aller. Ouh là là. C'est juste, mais ça passe. On a un petit pavé là. On lui envoie dans la gueule peut-être. Allez. Vas-y. Vas-y, on lui envoie le pavé dans la gueule. Mais je pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait essayer de l'éloigner de cette échelle. Proche contre Christ. On descend. On descend. Vous voyez qu'on va faire péter ce pont. Prends un peu de TNT. Ah. Non. Là, il manquait un bout de TNT, là, vous avez vu. Maintenant, on peut faire péter le pont. Voilà qui est fait. Et même bien fait. Et même bien fait, devrais-je dire. Donc là... On peut aller tout en haut. On va prendre un peu de ça. Ah, c'est trop pour toi ici, mon gars. Hop. On descend ce pont. Oh, on a trouvé une carte. Carte d'état-major, pas de GPS pour se repérer. Les seuls outils à disposition des soldats pensés dans la campagne sont un boussole et la carte d'état-major. L'orientation est une tâche réservée aux officiers et aux sous-officiers. On avait aussi trouvé un bouton d'or d'uniforme français. La vareuse bleue horizon se fermait avec des boutons d'or. Ces boutons s'avèrent être un problème sur le champ de bataille. Car en plus du pantalon rouge très voyant, les boutons brillaient au soleil, facilitant les repérages par les ennemis. Très bien. Là, c'est pas par là qu'il faut qu'on aille. Je recherche par où ça un petit peu parce que j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, à moins que ça soit là-bas. Ah oui, c'était ça. Fallait envoyer un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais un machin là-bas. On en reprend un pour la route. C'est bien. C'est un pont automatique en fait. Hop, là, on va essayer de faire descendre cette petite échelle. Parfait. Parfait, parfait. On poursuit, on poursuit. Oh, une mitraillette encore. Oh shit, je me suis fait tuer. Bon, donc les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce premier épisode de Soldats Inconnus Morts de la Grande Guerre. En tout cas, j'espère que, ça vous a plu, que les graphismes vous plaisent, que le jeu vous plaît, que mes commentaires vous plaisent, que vous pouvez le dire si mes commentaires sont pourris. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et un petit commentaire dans le descriptif de l'épisode comme d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour suivre toutes nos séries et toutes nos aventures sur différents jeux. Donc nous, on se retrouve très vite pour l'épisode 2 de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre sur PC. A bientôt les amis, des bisous, c'était Goz. Salut, salut.